grand site régional d'Auvergne, situé au cœur de la province historique du Bourbonnais, Souvigny, a conservé un patrimoine exceptionnel, tant historique que monumental. Berceau de la maison de Bourbon, l'histoire de ce village se rattache à l'existence de l'abbaye de Cluny, qui suivait la règle de Saint-Benoît. Aux origines de ce lieu millénaire, la donation en l'an 916 démarre, premier ancêtre connu des Bourbons, à l'abbé Bernon de Cluny, de sa villa de Souvigny et de l'église. Une dizaine d'années après la fondation de l'abbaye de Cluny, la ville devient l'une des premières dépendances de l'abbaye bourguignonne et sera une des cinq filles aînées. Très peu de temps après, c'est dans ce territoire qu'on appelle le Bourbonnais que l'histoire va évoluer. C'est Aymar, le premier ancêtre connu de la famille des Bourbons, qui va faire don de terre, de sa villa de Souvigny et de la petite église qui s'y trouve, à ce même abbé Bernon. Et par cette donation, Souvigny va devenir la première dépendance de l'abbaye de Cluny, et c'est ainsi que l'histoire va commencer. Ce lien très étroit entre les deux monastères va permettre à Souvigny de bénéficier de la richesse culturelle, intellectuelle et bien sûr financière de l'abbaye de Cluny. Et la deuxième chose qui va permettre au prieuré de se développer de manière considérable, c'est le fait que deux abbés clunisiens, Mailleul et Odilon, soient venus mourir à Souvigny. Ils ont été inhumés dans l'église priorale et Souvigny devient ainsi un des grands centres de pèlerinage de l'époque médiévale en France. Plus tard, le duc Louis II de Bourbon va faire le choix de reposer après sa mort au sein de l'église priorale. Il va faire construire pour cela une chapelle funéraire que l'on appelle aujourd'hui la chapelle vieille, construite à la fin du XIVe siècle. Ici, c'est devenu la nécropole des Bourbons, exactement comme Saint-Denis est la nécropole des rois de France. Il y a également des questions de proximité avec tous les châteaux possédés par les Bourbons, qui étaient Moulins, Bourbons, Murat, d'autres châteaux encore dans le Bourbonnais. Enfin, c'était vraiment un lieu certainement considéré comme idéal pour recevoir les sépultures de ces sires puis ducs. Et après, on sait que Henri IV est devenu roi de France et c'était un descendant des Bourbons. Ses parents se sont d'ailleurs mariés au château de Moulins en 1548. Et on est directement lié là, non seulement à l'histoire du Bourbonnais, mais à l'histoire d'abord du royaume de France et puis après de toute l'Europe, puisque de nombreux Bourbons sont actuellement encore aujourd'hui à la tête de plusieurs États. La date de 915 marque donc l'entrée des Bourbons dans l'histoire de France. Aymar et ses descendants s'intitulent Sire de Bourbon, du nom d'une puissante place forte proche de Souvigny. Il crée alors le Bourbonnais. Souvigny demeura la capitale du Bourbonnais jusqu'au milieu du XIVe siècle. Par la suite, la cité conservera néanmoins son statut de capitale spirituelle. Soucieux de donner une âme à la principauté, c'est l'une des raisons qui ont conduit le duc Louis II à choisir dès 1376 l'église priorale de Souvigny comme lieu de sépulture. En 1410, le bon duc Louis II sera enseveli dans la chapelle dédiée à Saint-André et à la Sainte-Croix. Dénommée depuis Chapelle Vieille, ce haut lieu de la maison Bourbon vient d'être entièrement restauré. Les travaux ont été rendus possibles grâce au comité bon duc, à la délégation départementale des vieilles maisons françaises, à la fondation du patrimoine, la fondation La Souza, mais aussi grâce à un mécénat populaire et à la générosité de la fondation du docteur Frédéric Paulsen. La matière est le lieu où se révèle l'image. L'image n'existe pas sans la matière. Le restaurateur n'est pas là pour reconstruire une image rêvée, une image mythique, l'image de l'œuvre dans sa perfection au moment de sa création. Le restaurateur est là pour valoriser la matière qui est parvenue jusqu'à nous, pour la faire parler, pour redonner une unité à une matière qui a pu être abîmée par le temps et pour faire que cette image soit cohérente d'un point de vue esthétique tout en respectant sa valeur historique. Les travaux de la chapelle vieille ont été inaugurés le 31 mai dernier en présence de l'évêque de Moulins, du préfet de l'Allier et du maire de Souvigny. Plusieurs descendants d'Aymar, représentant la maison Bourbon, s'étaient déplacés, tous voulant, par leur présence, s'imprégner du caractère unique de la terre de Souvigny. J'ai vécu ma jeunesse ici et toujours Souvigny a été pour moi un repère dans le long chemin qu'a parcouru ma famille jusqu'au temps présent. Et venir ici, c'est se ressourcer, c'est être à la source de cette saga des Bourbons. Elle naît d'ailleurs d'une déesse celtique, la déesse Borvo, la déesse des eaux chaudes. Et c'est assez beau le symbole de penser que cette puissance qui émane de la terre est à la source du nom de Bourbon.
Comme vous savez, il y a des Bourbons partout le part. Il y a des Bourbons espagnols, italiens, siciliens. Ici en France, beaucoup des branches de la famille Bourbon. Et on est vraiment européenne. Mais c'est vraiment ici, à Souvigny, que c'est la base. Ici, ce n'est pas important si on Bourbon Parme ou Sicile ou Bourbon Musset ou je suis français, espagnol, italien, néerlandais. Je pense que la racine de Bourbon me donne une crédibilité parce que je représente une histoire de 900 ans et aussi l'Église encore plus. Mais ça nous donne une base pour travailler ensemble. Il y a un respect aussi pour l'histoire dans ma famille, mais aussi dans l'Église. Et là-bas, c'est aussi une base chrétienne, avec valeurs chrétiennes. Je pense que ça sont les bases aussi de beaucoup de valeurs européennes. Découvrir des lieux comme Souvigny, ça permet d'avoir sa place, en Europe. Et je crois que c'est pourquoi il faut souhaiter à plein de monde de pouvoir se sentir chez soi, de venir découvrir ce lieu-là, parce qu'il vous permet de traverser tout un millénaire, millions d'histoires en vous promenant. Un après-midi, vous allez découvrir dès le début, des débuts romains jusqu'à l'art moderne aujourd'hui. Et on se sent chez soi quand on a l'impression que voilà, c'est ma place. C'est une place où je suis chez moi. Et je crois que pour l'Europe, c'est très important. C'est comme ça que nous allons continuer et avancer. Que l'on sait de cet orgue, on le sait par un document à l'intérieur de l'instrument. Cet orgue a été construit par François-Henri Cliquot, facteur d'orgue du roi, en 1783. Ce que l'on ne sait pas, c'est pourquoi on a fait venir Cliquot, facteur d'orgue de Louis XVI, le facteur d'orgue le plus célèbre de son époque, le plus cher. Pourquoi Souvigny? Qui a payé? À quelle occasion? On ignore tout des circonstances qui ont conduit l'érection de cet instrument. À la Révolution, eh bien, d'un prieuré bénédictin, on passe à une petite église de campagne. Les moines sont chassés. L'orgue traverse la Révolution sans encombre, sans doute en raison de sa magnificence, de sa puissance. Et au début du XIXe siècle, eh bien, on le garde tel quel parce que c'est un instrument d'une très grande fiabilité, d'une très grande solidité. Simplement, à la fin du XIXe siècle, on refait la soufflerie. C'est la seule partie qui n'est pas authentique de l'orgue. Tout le reste, les tuyaux, les claviers, donc la sonorité, eh bien, tout est de l'Ancien Régime et avec une extraordinaire qualité sonore. Après la restauration de la chapelle vieille, un autre projet commence à Souvigny, celui de la mise en lumière de la Bible dite de Souvigny. Véritable chef-d'œuvre médiéval, elle sera exposée au public à travers une scénographie mêlant images, textes et sons. Le projet est porté par l'association que préside Jacques Fleury. Le projet de Bible de Souvigny est né il y a plusieurs années dans mon esprit, parce que c'est un des éléments importants de la richesse de Souvigny que nous avons perdu à l'époque de la Révolution. Souvigny a perdu cet ouvrage et en a même perdu la mémoire. Toute l'idée de ce projet a été de faire revenir d'une certaine façon la Bible de Souvigny à Souvigny. Est venue rapidement l'idée de créer un spectacle ou une présentation de la Bible qui permette de rentrer dans la Bible de façon beaucoup plus explicite et qui permette un petit peu à tout le monde de la connaître et de la vulgariser. Quand j'ai découvert les premières images,
en numérisation. On a la chance maintenant, avec notre technologie, de pouvoir agrandir un centimètre en puissance 10 000. Et du coup, c'était pratiquement naturel. C'est ce qu'il fallait faire. Il n'y a aucun intérêt à présenter des images à échelle 1 alors qu'on peut avoir accès sur une tablette numérique pour tout le monde. Ça n'a aucun intérêt. Le public verrait. On n'a pas en plus les clés pour lire ces images. Il faut accompagner vraiment la lecture et la faire comprendre. Et donc c'est aussi le cadre de ce projet, c'est de rentrer dans le livre, mais de le rentrer, non pas tout seul, mais rentrer avec des clés. Le trésor de la Bible de Souvigny sera donc exposé, représenté par une scénographie qui sera dispensée dans un bâtiment que ma famille a acquis il y a 5 ou 6 ans, et d'avoir à l'intérieur de cette propriété des activités publiques qui puissent au moins, disons, rentabiliser les investissements qu'on va y faire. Claude Albuchet, bonjour et merci de nous accueillir ici dans votre ville. Une ville dont le calendrier culturel et artistique est en 3 temps, avec 3 manifestations importantes. Vous voulez bien nous en parler ? Avec plaisir. D'abord, merci à vous de réaliser ce film sur Souvigny. C'est très important pour nous, pour la communication. Alors, 3 manifestations importantes. La première, en quelques mois, au mois d'août, qui va commencer le 1er août, très exactement, la fête médiévale, qui dure depuis plus de 20 ans et qui attire tous les ans entre 30 et 35 000 visiteurs, avec l'association Souvigny Grand Site, qui fait le festival des troubadours et des saltimbanques, avec des spectacles de rue, mais aussi des spectacles payants dans des clos. Et tout le monde est habillé en costume d'époque ? Oui, presque tout le monde, mais les visiteurs n'ont pas l'obligation de s'habiller en costume d'époque. Le Salon du Livre. Le Salon du Livre, il était avant à Moulins, et donc le président de l'association LACME, qui organise le Salon du Livre, est venu un jour me rencontrer dans un mandat précédent et m'a proposé de venir installer le Salon du Livre ancien dans cette magnifique salle qui est l'espace Saint-Marc, parce qu'il voyait les livres anciens au milieu des vieilles pierres, et il se disait que ça serait quelque chose de fabuleux. Il a bien eu raison, ma foi, parce qu'en fait, il nous amène des libraires de toute la France qui, eux, attirent des visiteurs et des acheteurs de toute la France. Et c'est un événement maintenant incontournable aussi à Souvigny. Jean-Claude Albuchet, 3e moment important du calendrier culturel de Souvigny, les journées musicales d'automne. Les journées musicales d'automne, c'est le dernier week-end de septembre. Ça se passe aujourd'hui sur plusieurs sites. Avant, ça n'était que sur Souvigny. Aujourd'hui, c'est Souvigny, Saint-Menoux et à partir de cette année, également un concert sur Moulins. Et la nouveauté, c'est que cette année, en plus, il va y avoir une retransmission du concert dans la maison de retraite. Et je pense qu'à notre époque, c'est vraiment une très 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 bonne idée. Pour aller plus loin et en savoir davantage sur la ville de Souvigny, je vous invite à découvrir cet ouvrage remarquable intitulé « Souvigny, des sires de Bourbon à l'animation du patrimoine ». Il est paru aux éditions Revue d'Auvergne. Vous apprendrez une multitude d'informations et vous aurez plaisir, comme moi, à relire, à retrouver la plume d'Anne Courtillier, notre amie, la regrettée Anne Courtillier, qui a signé un article intitulé « L'ancienne priorale Saint-Pierre et Saint-Paul ». Évidemment, comme toutes les églises, les priorales, les cathédrales, elle m'inspire un sentiment de foi et de profondeur d'âme, d'introspection. Mais les souvenirs que j'y ai passés, enfin que les souvenirs que j'en garde, voilà, m'amènent à y trouver une petite part de fantaisie, voilà, de par la présence des frères de Saint-Jean à l'époque, notamment frère David, père Thibault, et cet harmonium aussi, notamment, sur lequel je jouais en fait dans les concerts que je donnais pendant la fête médiévale. J'improvisais beaucoup. Les gens s'installaient. Voilà, c'est un souvenir. Enfin, je suis très très content de retrouver ce vieil harmonium là qui passe par là. Dans l'ensemble, voilà, la priorale, c'est l'endroit où ça représente la foi dans tout ce coin de l'Auvergne.